Aux États-Unis à présent, les procureurs fédéraux ont arrêté un suspect dans la fusillade de samedi dans une synagogue de Pittsburgh. Ils l'ont inculpé de 29 chefs d'accusation de violence et d'utilisation d'armes à feu. L'attaque a fait 11 morts. Les autorités disent que le suspect a une quarantaine d'années. Donald Trump a dénoncé le drame. La Maison-Blanche fait savoir que le président américain se rendra dans la ville pour rendre hommage aux victimes.